Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Donc voilà, donc je vais vous montrer des diamants painting que j'ai trouvés à Action. Donc j'ai mis, moi je sais que j'ai mis un moment à les trouver parce que ils étaient pas dans mon Action. J'avais beau aller souvent dans mon Action, mais j'en ai pas trouvé. Donc du coup ce week-end on allait se promener puis donc il y avait une Action où on est allé et j'ai dit bah je vais aller voir si j'en trouve car ils sont super beaux puis ça me tentait vraiment de les essayer. Donc du coup bah je suis allée voir et j'en ai trouvé super plein. Il y en avait plein et j'étais super contente donc j'en ai profité. Donc il n'y a pas tout, il y a ceux-là, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a un avec des voitures et des enfants dans la neige. Mais je ne l'ai pas pris celui-là parce que je n'aimais pas trop celui-là. Je ne le mets pas. Donc du coup, bah, j'ai pris ceux que j'aimais bien. Donc là, il y en a deux comme ça. Donc ils sont fluorescents. Les diamants sont fluorescents. C'est super beau. Donc j'en ai pris deux. Donc c'est des diamants ronds. Et j'en ai pris deux comme ça, car je vais en faire un pour chaque enfant, puis comme ça je vais leur mettre dans leur chambre, et puis ça leur fera un genre de petite veilleuse dans leur chambre, une petite lumière. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en ai pris deux comme ça, les deux mêmes, pour pas avoir de jaloux. Donc voilà, donc j'ai pris le traîneau du Père Noël qui va en direction de la lune. Et elle est super belle. Après, j'ai pris donc le Père Noël avec la cheminée qui est derrière. Je l'adore aussi avec les cadeaux. Il est super beau. Donc, c'est toujours des diamants ronds, puis c'est des 30-40. Et donc, alors, on a toujours le petit stylet, la colle avec la plaque et tous les diamants. Donc, voilà, c'est des 30-40. Donc, je les voyais un peu partout. Et j'étais déçue de ne pas les trouver dans mon Action. Donc alors du coup, bah, vu qu'on allait dans une autre ville, j'en ai vite profité d'aller voir. Celui-là, je le trouve super beau. Le Père Noël avec le sapin derrière. Il est d'une beauté, mais c'est incroyable. Donc voilà, il y a toujours les diamants et tout. Donc il est comme ça. Eh bien, je suis super contente de les avoir trouvés, donc j'ai profité. J'ai vite sauté sur le pas. Et celui-là, c'est mon préféré. J'ai hésité d'en prendre deux, mais je me suis dit, allez, sois raisonnable, prends-en pas deux. Donc, c'est un bonhomme de neige avec les sapins derrière, le chalet. Il est magnifique. Donc, celui-là, je le ferai. Donc, je ferai celui de la lune en vidéo avec vous, mais je ferai pas les deux avec vous, ça ferait trop long pour vous. Donc je vais sûrement en faire un avec vous. Et les autres, je sais pas si je vais les faire cette année ou si je les garde pour l'année prochaine. On verra comment mon avancée dans les diamants painting ils vont, parce que je sais pas si j'aurai le temps de tout faire ou quoi. Mais en tout cas, je vais faire celui-là avec vous, le bonhomme de neige qui est super beau. Il est magnifique avec les sapins. Donc je vais l'ouvrir avec vous pour voir comment c'est. Donc il y a le diamant painting. Donc il n'y a plus rien dans la boîte, c'est tout dedans. D'accord. Donc on va ouvrir ça avec vous. Hop, je me reprends. Hop, voilà. Après celui-là, je vais le faire avec vous. C'est pour ça que je l'ouvre. Les autres, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas les ouvrir. Je ne vais pas tous les ouvrir. Donc, ils sont super bien protégés. Et là. Ah ben, ils sont cachés. C'est bien. On va les laisser cacher. On va voir à la fin. D'accord. Donc là, on a un papier avec l'image. Les diamants avec les numéros, les chiffres. Et là, ça explique comment le réaliser pour les débutants qui n'ont jamais fait de diamant painting. Donc là, on a tous les diamants. Il y a un super beau blanc.
Ah, il y a les étoiles, on voit les étoiles. Ah oui, on voit les étoiles là. J'ai hâte de le commencer. Donc là, on voit pas grand chose. Là, ouh là là, ils sont beaux. Vous voyez? Donc, on a un super beau orange, un super beau rouge, un marron. Oh, les belles couleurs, le vert. Le vert, là. Voilà, oh là, il est beau celui-là. Le blanc. Donc, voilà, tous les couleurs d'automne. C'est super top. Donc, on a la petite colle, la plaque et le stylet. Et on va voir. Voilà, là, il est magnifique. Donc là, on voit le diamant painting. Il est magnifique. Ah, vous le voyez tout trop. Voilà. Il est magnifique, regardez ça. Il est super beau. Oh là là, il est beau. Est-ce qu'on voit bien les couleurs? Les chiffres, pardon. Oh là là, oui. On les voit bien. Ils sont bien gros et tout. Oh là là. C'est vraiment top. Donc là, on va regarder si la colle colle bien. Ouh là, oui. Ouh, elle colle super bien, la colle. Ah, je suis trop contente de les avoir trouvés. Elle colle super bien. Donc voilà. Donc celui-là, ben, on le fera ensemble. On le fera ensemble en vidéo. Donc, j'ai hâte de le commencer car il est super beau. Et puis, les autres, ben, je verrai si je fais les deux Père Noël là, avec la cheminée. Et puis là, le sapin, si je le ferai en vidéo avec vous. Si j'y garde pour l'année prochaine, vu que j'en ai beaucoup, à faire. On verra bien dans l'avancée que j'ai dans l'hiver déjà. Et puis voilà. Donc, alors là... Celui-là, ben, je le préparais. Je préparais tous les diamants. Et puis, comme ça, on le fera ensemble. Donc, voilà. Donc, l'étoile, ils étaient à 4,29€. Ça vaut vraiment le coup. Puis là, ça colle super bien. On a tous les diamants. On a l'accessoire. On a le papier, là. C'est vraiment top. Donc, ouais, je suis super contente de l'avoir trouvé sur le Action où je suis allée. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de Diamant Painting.